Bonsoir tout le monde, je suis Antoine Léaumont, député de l'Essonne, mais ce soir je suis à Paris pour la soirée de la fin de la campagne de la France Insoumise. Là il me reste que quelques minutes pour vous parler de la campagne de Manon Aubry puisqu'il est 23h30 et qu'à partir de minuit, eh bien, ça sera le temps pour chacun d'arrêter la campagne et de réfléchir à pour qui vous allez voter. Et moi je vous invite à voter pour Manon Aubry, pour la liste de l'Union Populaire, la liste de la France Insoumise, qui a écrit en très gros sur le bulletin de vote, c'est la France Insoumise, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, donc c'est assez facile à trouver. C'est un bulletin de vote violet, je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo, mais c'est un bulletin de vote qui est facile à trouver dans l'isoloir. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, dimanche, je vais voter pour Manon Aubry. D'ailleurs, je vais voter deux fois parce que j'ai pris une procuration, et je veux vous donner quelques arguments qui me semblent centraux. Le premier d'entre eux, c'est que Manon Aubry, c'est la personne... Ah bah voilà, c'est ça le bulletin de vote. Bon, il est plus petit que ça, hein. C'est ça le bulletin de vote. Waouh, super stylé. Là, vous l'avez à l'envers, mais c'est ça le bulletin de vote. Vous le trouverez dans tous les bureaux de vote et c'est important de le savoir parce qu'il y en a 38 des bulletins de vote. Moi, je vais vous donner quelques arguments centraux. L'un des arguments qui a été déployé de manière centrale par Manon Aubry dans cette campagne, c'est la question du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'au niveau européen, se décide le marché européen de l'électricité. Et ce marché européen de l'électricité, eh bien, tous ceux qui vous disent qu'ils vont faire baisser les factures de l'électricité, en réalité, ils ont voté favorablement à ce marché européen de l'électricité, y compris M. Bardella. M. Bardella, il vient dire qu'il va faire baisser les factures, tout ça, mais en réalité, au Parlement européen, eh bien, il vote ces accords, cet élément sur l'électricité. Par ailleurs, la France Insoumise est le seul mouvement à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. On est les seuls. Et puis enfin, l'argument central pour moi, c'est la question de l'antiracisme. Parce que quand je vous dis qu'on peut faire baisser nos factures d'électricité en votant pour Manon Aubry, eh bien, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais les insoumis, vous avez parlé de certains sujets dans cette campagne qui ne m'intéressent pas. » Sauf que précisément, l'antiracisme, la lutte contre le racisme, c'est la manière d'unifier les classes populaires. C'est la manière de faire en sorte qu'on défende nos intérêts collectivement, indépendamment des questions de couleur de peau, de religion, etc. Et ça, c'est un des arguments centraux qu'on a essayé de déployer dans cette campagne. Enfin, dernier argument central aussi, c'est la question de la paix. La paix à Gaza, bien sûr, et la paix en Europe avec la question ukrainienne, parce que nous ne voulons pas que la France s'engage dans une guerre avec la Russie. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie d'envoyer nos soldats faire la guerre contre la Russie, on n'a pas envie d'une guerre nucléaire en Europe. Voilà quelques arguments que je déploie rapidement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos propositions sur le site programmatique qu'on a créé, parce que nous, contrairement aux autres, on a développé un programme. Je vous invite donc à voter dimanche pour la liste de Manon Aubry, de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Et puis à partager cette vidéo, à la faire circuler parce qu'on peut compter que sur nous, à taguer les gens en vidéo. Et enfin, je vous donne un petit message d'espoir parce que moi, je pense que les sondages se plantent complètement. J'ai milité dans ma circonscription à Fleury, à Grigny, Morsan, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Et partout, les gens nous ont dit qu'ils allaient voter très massivement pour la France Insoumise. Donc, je suis très enthousiaste. Je compte sur vous, partagez la vidéo, taguez vos amis en commentaire. Et dimanche, rendez-vous dans les urnes pour la liste de Manon Aubry. Salut tout le monde.